Eh hey, les mecs, regardez, c'est un peu ça. Oh, grand schtroumpf! Qu'est-ce qui ne va pas, grand schtroumpf? Oh, vous savez, je... Grand schtroumpf? Qu'est-ce que ça va pas, mec? T'as l'air un peu dépressif. Oh, et ben... C'est le candidat défi extrême, c'est ça? Comment tu sais? Raconte, ça nous intéresse. Enfin, vous savez, j'aime beaucoup mon équipe, j'aime tout le monde, sauf Doc Dodgers. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ben en fait, j'ai eu un bonus, et je m'attendais à quelque chose de sympa, et je suis sûr que ce salaud, il a osé me donner un chausson. Il m'a osé donner un chausson rempli de bouse. Juste parce qu'il me déteste! Quoi? Hein? Oui? C'est, dis-moi que j'étais rempli de grosses crottes de nez! Lance-flamme! Non mais... Mais j'aurais aimé avoir ce cadeau! Ce cadeau aurait dû être le mien, pas le tien! Oui mais bon, moi je m'en bats les couilles de ton putain d'avis! Grand schtroumpf! Ah, désolé! On devrait peut-être pas faire du Mario Maker? C'est pas le moment, Jake! Pas avant 2021! C'est vrai. Je vois! Déjà, il signe un contrat avec nous, l'île des héros! Et si ça continue, il va prendre cher, tu sais! J'en suis bien conscient! Ouais, ouais! Mais, tu sais, il peut être bâtard sur les bords! Il n'a quand même pas le droit de te martyriser comme ça gratuitement! C'est contre la loi! Je vais lui téléphoner pendant ce temps, toi, Phil! Tu as une épreuve à faire, aujourd'hui! C'est vrai! Mais du coup, tu voulais faire quoi? Eh ben en fait, aujourd'hui, je vais essayer de voir Mayona une bonne fois pour toutes! Et tu vas faire comment? Ben vu que je suis un personnage en papier, ben je veux aussi me faire aider de Harold et de DJ. Je suis sûr qu'ils vont m'aider, parce que je peux pas y aller tout seul! J'ai vraiment besoin d'aide! Oh... Bah, en plus, comme c'est eux aussi des personnages en papier, alors toi aussi, bah, si vous êtes trois, ce sera mieux que d'être tout seul, tu vois l'idée? Tu as tout à fait raison. Vaut mieux être accompagné que plutôt d'être tout seul. C'est comme ça qu'on peut affronter tous les dangers. Mais n'oublie pas, grand schtroumpf, il faut savoir un truc. Tu peux respecter les règles, mais encore une fois, ça dépend du contexte. Vous dites bien des gros mots, et... Enfin, que ce soit toi, que ce soit Chup, que ce soit quelqu'un d'autre, ou même Harold, ou... Enfin, peu importe. C'est... J'ai l'impression qu'en fait, qu'il n'y a pas de règles. Mais j'ai pas le droit de donner des coups de pied dans les couilles et de faire des attaques psycho. J'ai le droit de... Que de faire les épreuves. Ça, par contre, tu peux pas faire grand-chose. D'ailleurs, j'ai vraiment cette fois-ci de tenter de voir Mayona dans la cabine des éliminés. En espérant que tout ira bien. Enfin, de toute façon, je serai accompagné. On verra bien si DJ et Harold seront d'accord. Oh, t'en fais pas. Je vais t'aider. Et de toute façon, je vais téléphoner à Doc Dodgers. Comme ça, il va arrêter de te chercher les poux. Ok. Bon, ben j'y vais. À bientôt. Bon courage. Bonne chance, grand schtroumpf. On compte tous sur toi! Jake, tu veux jouer à Mario Maker avec moi? Chouette! J'ai préparé la manette. Je vous rejoins. Attendez! Je vais vous déconcentrer en vous envoyant des crottes de nez! Non, dinosaure violet! Franchement, t'abuses! C'est parti! Oh, il va voir ce que je veux lui en dire, hein! D'autant plus qu'il est en train de briser une règle d'or. Ne pas maltraiter les vieilles personnes plus vieux que toi. C'est contre la loi. Hé, ah. Hey. Hey, toi là. Tu as un appel de petit fuck. Petit fuck? Oh non, je sais ce qu'il va te dire. Oui, vous êtes sur le répondeur de Dodger. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Fuck you! Pourquoi ça n'a pas fait bip? Dodger, je t'ai reconnu! Ne fais pas l'idiot! Ici, petit fuck à l'appareil, j'aimerais prendre des nouvelles de toi et de l'émission. Le fait que je suis célèbre? Que je suis beau?
Oh non, c'est vrai! Le fait que je suis trop intelligent, oui, je sais. Non! Parce que tout simplement, tu martyrises gratuitement Grand Schtroumpf! Et si jamais tu recommences, ça va aller mal pour toi! J'ai beaucoup de soutien, j'ai même beaucoup de thunes! Tu espérais comment? Dire « Oh mon Dieu, tu as raison, je dois te mentir et je dois être gentil !» Non! J'aime tel que je suis, ça rapporte beaucoup de vues et des likes! Et de voir des candidats torturés! Je te rappelle quelque chose. Tu veux des likes? Tu veux des vues? Tu veux de l'argent? Alors laisse-moi te dire que tu as signé un contrat avec nous! Si tu recommences, tu vas avoir une grosse facture dans le nez avec des escargots baveux en prime! Tu veux connaître aussi la somme totale si tu refais encore un défoulement gratuit sur plus vieux que toi? Tu devras payer 64 millions de dollars! Quoi? Qui t'a dit que mon pire-poids ferait un escargot? Ça encore, j'ai mes sources. Par contre, je te laisse t'autoriser à torturer les autres candidats. Mais si tu recommences à faire du mal à Grand Schtroumpf, à chaque fois, ou bien à te moquer de lui, ce sera la facture de 64 millions de dollars plus escargot baveux. D'accord, mais si tu as dit tous les autres candidats, ça veut dire que je peux torturer Zelda et les autres. Parce que les autres candidats, c'est pas mon problème. Ils ne sont pas à l'île des héros. Tu saisis? Je suis sûr que Chop et les autres vont vraiment pas être vexés après ce que tu lui as dit. Et puis de toute façon, c'est pas mon île. Enfin, c'est pas mon camp, le tien. Tu vois l'idée? Et et aussi, si tu révèles notre conversation, je t'enverrai quand même des escargots baveux. Et je sais comment être au courant si jamais tu fais ça. Gare à tes fesses. D'accord, je note tout ça. Un seul faux pas et tu es cuit. Espérons que cette fois, que ça rentre dans ta tête. C'est entendu. Oh, attends une minute, il n'y a plus de courant. Je serai obligé de raccrocher. Tuc. Oh, de toute façon, j'en ai fini avec lui. Oh. Bon ben, c'est parti pour l'épisode 10. Et faites bon visionnage, tout le monde. Oh, j'espère que cette fois-ci va comprendre mon message. Je voulais toujours faire ça, enfant. J'y pense que maintenant. Vous me demandez où je voulais y aller. Mon rêve va se réaliser. C'est le camp des défis extrêmes. Je me rapproche du firmament. Je fais mes bagages, je suis déjà gagnant. Tout approuvé et rien pour m'arrêter. J'ai déjà gagné. C'est le camp des défis extrêmes. Na la na la na la na la na la na na la na la na la na la. I wanna be, I wanna be, I wanna be famous. I wanna be, I wanna be, I wanna be famous. Bon, les Aigleforce, vous avez perdu les défis. Mais bon, remuez-vous, vous avez peut-être perdu, mais vous allez faire mieux pour cet épisode. Je trouve que Riri aurait pu être présentateur. Ouais, ça je te fais vraiment pas dire. Oui, parce que lui au moins, il savent respecter. Alors, il y aura des candidats qui recevront le bonus et des candidats qui seront éliminés. Mais ça, des candidats, quoi que ça d'autre, c'est pas tout le monde, en fait. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y aura un candidat qui aura un bonus et un candidat qui sera éliminé. Bon, abrège-toi, quand même, Riri. Oui, d'accord. Bon, bref, celui qui mérite d'avoir le bonus est... Hein? Qu'importe, de toute façon, j'ai déjà un bonus, donc ça me fait rien. Ah, tant mieux, t'es vraiment bon joueur, toi. Et c'est... Loulou. Quoi? Moi? Mais pourtant, j'ai pris une mauvaise... J'ai pris une barre de Coco Pops de périmée. Ouais, mais elle apprécie tant que le fait que tu essaies d'aider l'équipe. Bref, pour ta récompense, c'est ça. Un stylo? Bah oui, exactement. Et il marche très bien. Enfin, j'ai que ça, malheureusement. Ah, c'est déjà bien. C'est pas comme Dr. Joss qui n'arrive pas tout le temps à maltraiter. De quoi vous essayez de marmonner, là? Surtout toi, la pire des pestes du monde. Bref, maintenant, c'est l'heure du côté élimination. Maintenant, toi, tu dégages. Quoi? Ah, ah.
Et pour la peine, je vais... Ce sera pas une bonbon coque sur coula, mais ce sera un coup de cuillère. Quoi? Mais t'es complètement malin, toi! Ouais, exactement. Et surtout parce que le fait que le petit phoque m'a autorisé que je vous torture. Que quoi? Il a vraiment dit ça? Ouais, elle a dit qu'elle est la pire des sadiques. De toute façon, je la crois pas. C'est juste... Comment est-ce qu'un petit phoque pourrait me faire du mal? Bon, revenons à nos sujets. Il y a 3 candidats qui ont été votés. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 recevront une coupe baffe. Bah, tu nous as déjà donné. Ça, c'était une façon délicate. Mais là, la façon brutale. Bon, Marisol, je vais te donner un coup de poing, un coup de cuillère en bois, parce que tu n'as pas été voté. Oh, Aaron aussi. Oh, c'est déjà dingue que je me suis fait torturer par un gros nul comme Hugo, mais de là de me recevoir un coup de cuillère bois par un canard, franchement c'est n'importe quoi. Loulou, mais comme je te déteste, ça fait 2. Et Moustillon. Il ne reste plus que Chop, Zelda et Simon. Quoi? Exactement. Bref, mais pour le moment, celui qui recevra une coup de cuillère dans les bois, une coup de cuillère bois, c'est... Oh, Zelda, si ce serait toi, je regretterais. Ah, pareil pour moi, pour toi. C'est Chop. Et fort heureusement. Cool, et pourquoi? Parce que t'es un garçon. Ça fait trop sexiste. Pshaw! Et vu que tu aimes beaucoup Zelda, pshaw! Mais t'es malade! Bref, passons au détail. Zelda, tu es dans la sellette parce que tu as déjà gagné dans le dernier Defiance Tribe. Et alors, c'est pas une excuse, on en parle de Defiance Tribe en route, il y avait déjà un candidat qui avait déjà été en finale et qui pourtant était allé en finale pour la deuxième fois. M'en fous de ton argument. Et toi, Simon, comme Michael, c'est parce que le fait que tu n'as rien foutu pendant l'épreuve. Mais alors, on ne donnait pas vraiment l'important, j'ai fait que suivre les règles du chef. Mais il n'y a pas de chef dans notre équipe. Bah oui, mais c'est ça. Et donc, celui qui sera éliminé, c'est... C'est Simon avec 6 votes, et toi Zelda, tu es sauvé avec 4 ou 3 votes. Tu n'as pas calculé? Ouais, exactement. Quoi? Mais comment est-ce que ces gens pourraient voter contre moi? D'accord, j'ai gagné une fois, mais pourquoi autant de haine pour voter contre moi? Parce que tu es une fille! C'est sexiste ça! Et alors, je m'en fiche royalement. Et pour la peine... Oh, oh, oh! Hey, mais ça va pas bien la tête? Pourquoi tu fais du mal à Zelda? Fayo, bouh! Bref, Simon, tu es éliminé. Et là, sur le coup, tu mérites pas avoir un coup de bois dans... un coup de cuillère... Enfin bref! Tu es éliminé. Maintenant, va sur la cabine d'élimination. Oh, ça craint! Bon, bah, désolé d'être aucune utilité pour cette épreuve, mais j'espère qu'honnêtement, je pourrais essayer de faire mieux dans les autres défis extrêmes. Je m'en fous ce que tu racontes, parce que tu iras direct dans la cabine d'élimination! Ah, vache! Il est encore plus cruel que celui de lui mercier! Oh, en fait, tu t'es senti comment dans l'île des défis extrêmes, que le fait que les autres t'ont harcelé? Moi, je finis par l'avoir l'habitude. Ah, je te plains. Ouais, moi aussi. Surtout que je me suis fait tout le temps harceler par ce Dr. Turf. Je ne m'en reparlons pas de grand schtroumpf. Ah, pauvre. Oh, c'est trop cool qu'on ait gagné l'épreuve. Ça, je te le fais vraiment pas dire. Encore une victoire et on sera directement l'équipe victorieuse. Eh oh, faut pas trop attraper la grosse tête non plus. On a gagné 4 fois alors que les aigles forces ils ont gagné 5 fois. Ça, c'est vrai. Alors, faut pas trop se dire, haha, on est trop les gagnants, alors que on a déjà perdu beaucoup de candidats. Et alors, on n'est plus qu'à égalité maintenant. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. DJ, je peux te parler? Oui, si tu veux. Je vais chercher Harold aussi. Pourquoi? Harold, je t'ai trouvé. Hein? Pourquoi est-ce que tu nous as réunis? J'ai besoin de votre aide. Pourquoi? Ouais, j'avoue, pourquoi?
Ah oui, je sais, tu voulais que je t'apporte capote d'accompagne dans les toilettes? Mais non! Un tabac à faire l'art martiaux? Non! Pourquoi alors? Pour voir Mayona? Hein? Vous allez dans la cabine d'élimination? Mais tu sais très bien que c'est illégal! Bah, et alors? Tu avais dit toi-même? Je me rappelle pas, honnêtement. Mais si, tu sais, qu'importe les règles, je dois le faire quand même! Ah oui, c'est vrai, sauf que j'y étais pas. Enfin, peut-être. Enfin, bref, je m'en rappelle absolument plus. Mais bref, tu peux pas faire ça. Dr. Joss nous a carrément interdit. Je m'en bats les couilles. Je vais voir Mayona, que ça lui plaît ou non. Mais tu sais très bien que là, en ce moment, dans quelques minutes, on risque de faire l'épreuve. C'est vrai, ça. En plus, on est trop en infériorité à les poissons interdits. Je fais confiance aux poissons interdits. Mais vraiment confiance. Mais la dernière fois, on a gagné de façon illogique. Ouais, mais qu'importe, gagner ou pas, cette fois-ci, je veux juste revoir Mayona. Je croyais que la dernière fois, quand tu t'es mis à péter un câble, je croyais que tu étais mauvais perdant. Oh, c'est, de base, je devais être un bon gagnant. Mais sauf que là, c'est une question pour que je puisse revoir Mayona. Tu comprends pas? Ah, alors c'est pour ça pourquoi tu t'es très mal pris? Oui, exactement. Sinon, dans le fond, je suis bon perdant. Mais là, il s'agit d'une question de revoir quelqu'un que je me tiens beaucoup à cœur. Tu serais pas amoureux? Quoi? Mais t'es complètement dingue? Moi, pédophile? Non mais espèce de malade. Ouais, c'est une bonne question. C'est une juste question comme ça. Ça va. Vous faites quoi? Hein? Vous essayez d'aller dans la cabine d'élimination? Oh merde. J'aimerais bien vous y accompagner. Hein? Ouais, mais... Pourquoi tu voudrais? Bah, pour vous faire plaisir! Et puis d'ailleurs, pourquoi tu nous as demandé à nous et au lieu des autres candidats? Parce que vous êtes des personnages en papier! Quoi? Alors c'est pour ça? Pourquoi est-ce que ma main est plate? Qu'importe! J'ai juste besoin de vous pour que je puisse me faufiler discrètement vers la cabine. Mais le problème, bon, d'accord, je veux bien, mais le seul problème, c'est qu'on doit trouver un arrangement comment et pourquoi. Surtout que Dr. Joss n'est pas si con que ça, c'est vrai ça. Moi, j'ai trouvé un arrangement. Ah bon? Vous pouvez me faire confiance. D'accord. Hé, Dr. Joss! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, le cuisinier, alors qu'est-ce qu'il y a comme repas ce soir? De la polonaise édition bouse de vache. Ça a l'air bon pour les candidats et pour moi, des lasagnes de première classe. Et qu'est-ce que tu veux, hein? Je voulais juste accompagner DJ Grosstrouf et Harold. Quoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont osé voler mon gâteau au chocolat, alors que j'ai pris beaucoup plus d'économies pour l'acheter. Et là, pour la peine, pour les punir, ils vont devoir chercher à la boulangerie, au pain au chocolat, à la boulangerie. D'accord. Si c'est pour s'offrir DJ Harold et surtout quand je trouve, surtout que en ce moment, petit fuck you, bah, il est en train de me surveiller, donc je te laisse carte blanche. Petit fuck you. C'est Petit Fox, espèce de trou-duc! Ouais, c'est ça. Sam torture bien les candidats, surtout Grand Schtroumpf. Oh, mais oui, avec plaisir. Allez, viens. Oh. Oh. Bon, bah, bonne journée, Tatatas. Dégage! Bon, c'est l'heure de l'épreuve. Bon, dans 3, 2, 1. Bienvenue dans le 10e épisode de Défi Extrême! Tu veux dire le corps des divers extrêmes? Eh hey, mais, attends une minute, mais il est où Harold? C'est vrai ça? Ouais c'est vrai, c'est complètement bizarre. Dr. Charles, tu pourrais nous expliquer? Ah ça, c'est parce que d'après ce que Sam m'avait expliqué, ils ont osé voler le pain en chocolat à Sam, et du coup pour leur punition, ils vont devoir aller à la boulangerie plus les payer. Oh mais c'est pas vraiment leur genre. Oh, mais en même temps, tout le repas que Sébastien nous a fourni... Oh, mais ça veut dire que on est tous en supériorité. Super. Rencontre pour voir. Mais ils sont 5 et... Mais rencontre notre équipe. 1, 2, 3, 4... Attends. Attends une minute. Grosstrouf, DJ, ils sont où? Tu m'as pas écouté. DJ et Grosstrouf aussi volaient leur pain en chocolat, donc voilà. Oh, mais alors? On est tous en infériorité. Encore? Oh, c'est pas possible. Mais pourtant, je comprends pas, c'est pas son genre à voler des pains en chocolat.
Ouais, j'avoue, mais bon, je suis plus tellement logique, tellement stupide. Bref, les deuxièmes épreuves dont je vous proposais, c'est... Prank. Prank? Prank? Oh non, je vois l'idée. Bah, tais-toi. Pour ceux qui savent pas c'est quoi le prank, c'est à peu près à ça. Farce. Exactement. Sachez que votre épreuve d'aujourd'hui, c'est pranker tous les candidats. L'épreuve n'a rien de difficile. Vous devez chercher du matériel, ou bien encore, je sais pas moi, essayer de faire une farce, ou bien de faire des sursauts, ou bien encore de faire piéger, ou quoi que ça d'autre. Et le truc, c'est que les candidats, l'équipe qui se font tous pranker aura perdu. Alors que l'équipe qui ont réussi à tout pranker les candidats d'un équipe, ils auront gagné l'épreuve. Oh, trop cool! Bon, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Oh, prank! Pourquoi inventer ce terme? Bah, je suis désolé, mais c'est, en même temps, ça fait... Enfin, je veux dire, oui, c'est mal. Ah, c'est très mal, surtout, hein. Moi j'aime bien quand il s'agit de The Killer 78. Ouais, ça me fait beaucoup marrer. Ah, c'est bien, Bradyoshi. Pour une fois, tu suis très bien l'instinct des trous ducs. Quoi? Non, attends, c'est parce que tu crois. J'aime pas le prank pour le torture, le prank pour le rire. Mais oui, c'est ça, mon chou. Yann, j'aimerais te parler dans le bureau. Encore? Comment ça, encore? Bon bah je vais revenir. Faites vite, on n'est plus que trois sinon. Oh, le prank. Pourquoi fallait-il que ce soit cette épreuve? Je sais pas, Zelda, honnêtement. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait arriver de pire. Assieds-toi. Je vais te le dire une chose. Bravo Yann, t'as fait exactement ce qu'il fallait faire. C'est du sarcasme ou... Non, je t'assure que c'est pas du sarcasme. T'as fait réussir à faire perdre l'équipe. Il faudrait que tu continues comme ça. Non, Dr. Jers, je l'ai fait juste histoire pour sauver Barney. Mais pas pour le million de dollars. Tu es sûr ce que tu dis là? Bien sûr que je suis sûr ce que je dis. Après ça, mais à part ça, le million ne m'intéresse pas. C'est plus jouer à l'émission avec Barney. Moi, le million, ça m'est tout à fait égal. Enfin, oui, le million, ça pourrait être sympa, mais c'est pour une bonne cause. Non, l'argent c'est plus important que autre chose. Mais écoute Yann, tout ce que je peux te proposer, c'est juste de trouver un moyen de faire perdre encore l'équipe. Quoi? Mais t'as signé le contrat. Mais quel contrat? C'est une façon de dire. Tu as voulu faire le sabotage. Eh ben, je vais te dire une chose. Si toi tu es éliminé, Barley sera à dire: oh non, mon frère, je sais plus quoi faire. Il va pleurer tout le temps, et il sera éliminé. Et vous deux, aucune raison d'avoir le million de dollars. Mais je m'en fous royalement de million de dollars. Ah, c'est pas suffisant comme argument. Tout le monde va aussi dire que vous êtes franchement les pires candidats, que vous méritez, que vous faites pas le poids, et que la gentillesse, les candidats généreux, c'est vraiment trop de la merde. Mais c'est pas... Non. C'est, bah, malheureusement pour le public, ça l'est. Eh bah, je vais te proposer quelque chose. Essaie de tout faire pour à ce que ça soit la faute de Zelda. Zelda? Mais c'est toute gentille personne! Ah ouais? Et puis elle gagne. Je te rappelle quand même que la dernière fois elle a gagné le million de dollars. Et que sache que plus elle va en finale, plus elle gagne d'argent et plus elle va devenir la reine de cœur. Oh non! Pas la reine de cœur! Oh si! La reine de cœur. Donc je te laisse le choix. Fais tout pour que ça soit la faute de Zelda. Ou bien encore, Barley et toi, vous serez humiliés.
Et si tu veux pas que Barley parte en aventure, fais en sorte à ce que ce soit les aigles force perdent. Et après, c'est toi qui vois. Oh, c'est pas vrai. J'espère pouvoir faire le bon choix, en tout cas. Oh, eh ben, c'est ça la cabine des éliminés? La vache, c'est plutôt... Oui. C'est quoi ça? Oh, un schtroumpf. Oh non, j'ai oublié lui. Ah, c'était le tout premier éliminé. Nutty. Oh, je m'appelle Nutty. Tu trouves? Qu'est-ce que... Oh, non, mais il est complètement malade, lui. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Mais... Comment? Attends, il y avait un trio d'élimination? Non, c'est parce que tu crois, on essaie juste de voir Mayona. Comment ça se fait? Comment vous faites pour entrer là-dedans, en fait? Oh, c'est très simple, on est des personnages en papier. J'avoue, j'aurais pu y penser à ça. Bon, enfin bref, je vais essayer de sortir d'ici. Non! Quoi? Si tu fais ça, tu risques de faire torturer encore plus par ton Touchers. Oh, c'est vrai. Oh, qu'est-ce que... Hein? Sam, DJ, Aaron et Grand Schtroumpf, qu'est-ce que vous faites ici? Oh, si tu nous as écoutés, tu le saurais. Apparemment, ils sont en train de faufiler dans la cabine. Et pourquoi déjà? Pour voir Mayona. Mayonnaise? Mais non, triple buse, à Mayona. Ah, Mayona. Attends une minute, je t'ai pas vu, t'es qui toi? Je suis Grand Schtroumpf. D'accord, mais comment ça se fait que tu sois ici? Oh... On a procédé à un vote. Quoi? Non, mais n'importe quoi, pourquoi? Et d'où tu sors? De l'Idéro. L'Idéro? Tu n'es pas si héroïque que ça. Et alors, on arrête de me juger, de me juger ma forme, hein. Faut pas justifier à mon apparence. Elle est où, Mayona, déjà? Je sais pas, elle se trouve là-bas, je pense. Oh, Mayona, où es-tu? Toi! Où? Qu'est-ce que tu fais ici, grosse merde? Panthé Rose! Oh non! Je comment ça... Non! Pourquoi tu es ici? Pas à ton avis! Pour le défait extrême! Toi, tu es un gros vieux schnock qui pue la merde! Oh! Ah, et toi, tu es une panthère bleue! Ah ça, je vais te... moi, ma couleur rose est beaucoup plus délicate qu'une couleur bleue! C'est tout ce que tu as trouvé comme insulte, c'est vraiment nul! T'es vraiment le plus con du monde! Hey, je vais te défoncer! Coup de pute dans les couilles! Ah coup de pute dans les couilles deux fois! Ah ah, pourquoi deux fois? Pour avoir fait un canular, pauvre con! Ouais, je sais, je suis beaucoup plus méchant quand il s'agit des personnes que je déteste! Mais à part ça, je suis gentil. Hein. C'est ce que je vois, je présume. Bon, on peut pas rester longtemps ici. Il y a quand même une épreuve à faire. Ouais, mais nous allons faire en sorte de rester ici quand même un quart d'heure. Quoi? Mais pourquoi? Parce que je rappelle quand même que la boulangerie se situe à 2 km. Quoi? Oh la vache. Quoi? Pourquoi tu vas pas? Je t'ai éliminé. Plutôt, c'est pas juste. Et tout, et le pire de tout, c'est que j'ai pas eu mon sanglier. Moi, c'est encore pire. J'ai été éliminé à cause des poissons attardés. Poissons attardés, il a du goût. Mayona! Grand Schtroumpf, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu pour te voir. Mais t'es complètement fou! Tu te rends compte que tu es en train d'enfreindre les règles? Mais alors, je m'en bats avec des règles. Tu m'en manques, c'est juste pour te voir. Oh, Grand Schtroumpf, ça fait plaisir de voir que tu t'es attaché à moi, quand même. Et Zelda, et Chop, et Boustillon, ils vont bien? Bah oui, ils vont bien. Et on a, malgré tout, on a quand même gagné quelques fois. C'est ce que je constate après que Michael et Simon ont été éliminés. Eh hey, oh, si j'aurais pu avoir un chef, je pourrais faire ce que je veux.
Bon, enfin, qu'importe, de toute façon, la prochaine fois, si le jour on va me faire revenir, je vais essayer de montrer beaucoup plus utile que ça. Ça, c'est bien dit. Et pourquoi vous êtes tous éliminés déjà? Parce que sanglier, ils sont tous jaloux de mon talent. Toi, c'est ça rien de poser la question, vu que tu es vraiment le plus détestable de toutes. Bah moi, j'ai lâchement... Enfin, je sais pas, je sais plus en fait. Mais, gros Schtroumpf, tu es venu ici pour moi, mais pourquoi déjà? Pour parler beaucoup de choses. Ouais, c'est super, mais... Pourquoi tu sens un peu de bouse? Oh, c'est à cause de Dead Jazz. Quoi? Ouais, exactement, il a osé me faire du mal tout le temps. Mais t'inquiète pas. Dr. Jones fera tout pour arrêter. Mais comment ça se fait? Grâce à Petit Phoque. Ah, ce Petit Phoque. Quel brave petit Phoque. Même pas foulé, pauvre naze. Toi, tu l'as fermé. Personne traite de mayonnaise de naze. Non, mais je te jure, c'était bien mérité de toute façon. Ah, je sais pas, même pas qu'est-ce qui est le pire. Être enfermé dans une cabine ou être éliminé par une autre équipe, ou bien encore être entouré par deux personnes qui sont complètement chiants. Ouais, moi au moins j'ai une belle beauté. T'es certainement pas le chapeauté. Où est-ce que tu vas en venir? Parce que t'es incompétent. Je vais te balancer une malédiction au pouvoir. C'est vrai, j'avais complètement oublié que dans cette cabine... Il n'y a même pas moyen que j'utilise mes malédictions. Ha, dans ce cas, puisque c'est comme ça, je vais utiliser l'attaque psycho. Hein? Comment ça se fait? Ça sert à rien, grand Schtroumpf. La cabine élimination, on peut pas utiliser les capacités, même si on veut, ça ne marchera pas. Je pense que Tata Jazz a mis un système d'anti-capacité. Quoi? Oh, ce fumier est prêt à tout pour vous torturer. Ça, je ne te le fais vraiment pas dire. Et pourquoi est-ce qu'il est présentateur pour juste pour torturer? Ça, je te le fais vraiment pas dire. Oh, bon, grand, je trouve, on va partir au moment où ce sera venu. Hein. On va pas rester trop longtemps. Ah, j'aurais tout mon temps à parler de mon élève. Ton élève? Oh, l'élève du Gobu? Personne traite Mayona de l'élève du Gobu! Je dis ça comme ça. Ouais, bah quand même, ça se fait pas. Est-ce que tu trouves que je n'ai rien la tête du Gobu? Bah, un peu quand même. Wow, Mayona! C'était... Wow! Ouais, je me rappelle la fois lorsque j'ai tapasé le brindibou. Hein? Oh, Mayona! Désolé, mais je suis souvent caractériel. Oh, on l'est tous, de toute façon, on l'est tous. Ok, les amis, nous devons faire un prank au poisson attardé. Et je pense... qu'on doit juste trouver les ingrédients nécessaires chez la cantine de Sade. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord. Bon bah, allons-y, vers la cantine de Sade. Sade, tu voudrais pas dire? Bon bah, c'est parti, mon kiki. On va donner une bonne prank à... au poisson interdit, même si bon, c'était pas vraiment volontaire. Moi, je sais pas si je vais le faire, parce que les pranks, c'est pas vraiment mon truc. Désolé Zelda, mais c'est pour le bien de parler. Voilà. Oh, il ne reste plus le choix. Bon, ok. On est peut-être dans le bureau de Dada Jones, mais lui qui s'y connaît beaucoup au prank, il doit avoir des matériaux nécessaires. Ouais, ça je te le fais vraiment pas dire. Attends une minute. Quoi? Ouais Zelda. Mais c'est vrai ça, c'est pour ça pourquoi j'ai eu l'impression d'oublier quelqu'un. Ah, tu sais très bien, n'aime pas les pranks. Salut les mecs et mademoiselle. Yann, qu'est-ce que tu veux? Ah, rien de spécial, mais... Zelda n'a pas voulu participer en prank. Ah bon? Pourquoi? Bah, tu sais très bien. Ah, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Pourtant, je suis la mieux placée pour connaître Zelda. Elle vous a même fait un cadeau. Hein? Quel cadeau? C'est une sorte de canette de coca, il n'y en a qu'une seule et vous devez la partager. Ah, c'est super! Bon, ok, ça pourrait peut-être nous donner des forces pour le prank. Ça, je te fais vraiment pas dire! Oh, pas Coca-Cola! J'aime beaucoup les Coca-Cola. Hé, mais c'est vraiment une canette de coca! Attends, je vais voir la date.
Hé, hey, mais c'est du parfait Coca-Cola. Ça, c'est franchement une super bonne nouvelle. Oh, franchement, qui commence à boire? Les dames d'abord. Ah, merci, chef. Maintenant, c'est pas étonnant, pourquoi est-ce que Zelda s'est intéressée à toi? Ok, donc il ne reste plus qu'un... Bon, on fait comment pour le prank? On a même... C'est quoi ce bruit? C'est vraiment trop bizarre. Eh, hey, mais ça vient de là-bas. Ouais, en effet. Attends, c'est un prank. On va pas se laisser faufiler par leur piège. Totalement d'accord avec toi. On va juste laisser Stella ne rien faire et réfléchir à notre plan. C'est vrai. Des idées? Honnêtement, non. Non. Je sais! Et si on met de la merde à l'intérieur des fébraises pour faire croire que c'est du parfum? Très tellement immature, non. Oh merde. Je sais! Et si on essayait de mettre des chaussures à la place des serpents? C'est à propos du équivalent de Toy Story, mais non, je pense pas. Ils sont pas bêtes! C'est vrai ça. Oh, je sais! Et si on ne fait rien? C'est ce qu'on fait! Oh, d'accord. Oh, décidément, on est vraiment nus pour vous faire des plans. Je me demande ce que fait Yann. Oh. En tout cas, j'espère pas. J'espère qu'il va bien. Ah, j'espère honnêtement que pour la prochaine fois, lorsque tu diras lumière, caméra, action, j'espère qu'il y aura pas un interlope. Ouais, franchement, ça, je commence à en avoir le bol. La première fois, j'ai reçu une tomate. La deuxième fois, on m'a fait craquer le pantalon. Et tout ça à cause de ce putain de Spider Moody. Ah ouais, franchement, Spider Moody nous a gâché notre enfance. Oh, c'est pas vrai, encore cet argument, hein. Bon, c'est bien beau tout ça, mais on doit vite y aller, avant que ça soit trop tard. Et on a arrêté depuis combien de temps? Je pense que depuis une demi-heure, je pense. Oh. Bon bah désolé Mayana, mais je peux pas rester longtemps, mais en tout cas ça me fait vraiment super plaisir de parler avec toi. Moi aussi Grand Troum, ça m'a fait vraiment super plaisir. Et je te souhaite bonne chance pour la suite. Ouais, on se reverra la prochaine fois. Eh, quoi? Tu te rends compte qu'on a le même design? Non. Reviens ici, espèce de monsieur à lunettes. Ah, la porte était ouverte. C'est bizarre, mais qui l'a fait ouvrir la porte? Bon, enfin, qu'importe. Ouais, je dois juste essayer de faire croire que personne n'a passé la cabine d'élimination. Ouais, il aurait pu au moins nous faire sortir dessus. Je rappelle quand même que si on sort, on se fait torturer. Pff, stupide règle, pourquoi j'ai participé à cette émission déjà? Ah oui, pour le mignon. Les gars, vous faites quoi? Quoi, vous avez bu du Coca-Cola sans moi? C'est vraiment bizarre. J'ai trop mal. Voilà ce qui arrive si vous faites n'importe quoi. Oh, stupide canet de Coca! Aïe! Oh, ça fait mal. Incroyable. Juste incroyable. Vous vous êtes fait pranker comme pas possible. Ce qui donne le fait que les aigles forts sont perdus. Comment ça? Perdus? Zelda nous a tous prankés. Attends. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai ça, c'est pas son genre de nous faire pranker. C'est quelqu'un de douce et gentil. C'est vrai ça. Ah, à mon avis, il doit y avoir quelque chose qui cloche. Non, c'est Zelda qui a pranké. Je les ai tout vus, voilà. Non, j'y crois pas. Zelda ne ferait jamais telle chose. C'est vrai que c'est ta petite copine, c'est vrai, mais faut pas toujours la défendre. C'est vrai ça. Je connais Zelda comme si je connais la poésie et les jeux vidéo par cœur. Elle ne ferait jamais une telle chose. C'est vrai ça, dès que je l'ai vue, elle est tout simplement sa sœur. Oh, mais qui vous avait dit ça? C'est Yann. Oh, je sais pas pourquoi, mais Yann est en train de préparer un coup. Quoi? Oui, mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'il ferait... C'est vrai ça? Maintenant que j'y pense, il avait dit que Zelda, elle était ici, nous avait même trouvé du coca et avec une seule canette. Mais c'est vraiment bizarre. Mais elle est où Zelda? Zelda? Oh non. Zelda, ça va? Zelda, ça va?
Allez, laisse le tas tranquille. Laisse le tas. T'inquiète pas, Zelda. Oh, John, j'ai si peur. Ça va, Zelda? Oh, j'ai si peur. Qui a fait ça? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas vraiment drôle du tout. Ah, je vais poser des questions à Yann. Là, franchement, ça commence à vraiment devenir bizarre. Où est-ce que tu voulais en venir? Zelda, question. Est-ce que c'est toi qui avais trouvé la canette? Non, j'ai été emmêlée par une sac. C'est vrai, je l'avais entendu. Et donc, tu as... J'ai même voulu vous rejoindre, mais... Mais au moment du kidnapping, j'ai pas pu réussir à m'en sortir. Franchement, je sais pas pourquoi, mais si c'est Dr. Jasper, franchement, il va le regretter. Bon, vu que vous avez perdu l'épreuve, les poissons attardés... Venez ici. Oh, quoi déjà? Ah ben, donc quand je trouve DJ, vous êtes déjà rentré? Ah oui, c'est vrai, Harold aussi. Alors, c'était comment la punition? C'était horrible. Bah, c'est tout ce que tu mérites, vieux schnock. Wow, c'est vraiment pas de chance. Où est-ce que tu veux en venir, hein, Bobby? Franchement, voilà ce qui arrive si on vole les pains en chocolat. Wow, oui, franchement, c'était... Wow, ça m'apprendra à faire mon gourmand. Ouais, ouais. L'essentiel, c'est que tu aies appris la leçon, hein. Ouais. Je veux pas que tu sois comme Luffy. Ah bah ça, t'inquiète pas, je retiens toujours mes erreurs. Mais on a gagné l'épreuve, ça veut dire? Ouais, exactement. Et justement, vous allez devoir rejoindre au stade, là-bas. Oh, on a notre cinquième victoire. Oh, ça c'est trop cool. Et tout ça grâce à qui? Il est où, hein? Je me demande qui est-ce. Bref, le plus grand gagnant de cette épreuve revient au poisson attardé. Bravo. Oh, ouais, ça nous fait plaisir. Ouais, c'est toi qui le dis. Quoi? Mais sérieusement, on a déjà gagné et c'est comme ça quand tu réagis? Ça devient trop bizarre, là. Tu sais pas nous cacher quelque chose? Quoi? Non, ça va. Qu'importe. De toute façon, c'est clair. À cause de Zelda, ils ont carrément foiré toute l'équipe. Quoi? Mais c'est pas vraiment son genre. Ouais, c'est vrai. À mon avis, quelqu'un a fait un interlope. Non, c'est à cause de Zelda, point final. Bref. Les Aigles Force, vous avez perdu l'épreuve. Et donc... Non, quoi? Qu'importe. Normalement, l'un d'entre vous devait avoir le bonus et élimination. Mais ce n'était juste l'épreuve de confort. Que quoi? L'épreuve de confort? Exactement. De toute cette épreuve-là, c'était juste une histoire de bonus, de récompense, quoi que ça d'autre. Ce qui donne le fait que vous, les Aigles Force, il n'y aura pas d'élimination pour vous. Ah, pfff, j'ai eu peur. Ah, je voulais pas qu'on élimine ma petite amie. Ah, moi non plus. Trop dégueulasse. Et quant à vous, les poissons attardés, pour votre ultime récompense, ouais, vous allez devoir aller au parc de McDonald's. Vous aurez tous les calories de nuggets, tous les acaroïdes de frites, quoi que ça d'autre. Parce que là, Riri a dépensé ses sous pour donner votre ticket. J'espère que c'est pas un coup de troll, hein. De toute façon, j'ai déjà eu un compte avec Petit Fuck You, donc voilà. Oh, tant mieux. Parce que tout ça là nous mène à un sujet très important. Je vais faire revenir un éliminé de la cambée des éliminations. Quoi? Hein? Mais on avait déjà gros, je trouve. Ouais, exactement. Mais ceci dit, c'est un peu trop injuste de quelques candidats qui se font éliminer pour quelques questions stupides. Enfin, pour des raisons stupides. Qu'importe. Bref, oui. Pour l'épisode 10, il n'y aura pas d'élimination, mais il y aura une vote pour faire revenir un candidat qui se fait éliminer. Voici la liste des candidats qui se font éliminer. Nouti, votez moi contre pour moi. Je vous offrirai beaucoup de sucre. Panthère Rose. Hé, hey, vous autres, bande de grosses merdes que vous êtes. Vous avez intérêt à voter pour moi, sinon je vous sodomise à fond. Obélix,
Ok, j'ai été éliminé à cause de mon obsession de sanglier. Mais je vous promets que cette fois, je vais essayer de concentrer sur l'épreuve. Carlo, Carlo, le calamar. Y a que ça de vrai. C'est moi qui devrais être revenu. Et pour montrer mon talent à tout le monde. Ludo, ok, d'accord, j'ai peut-être fait un faux pas, mais si vous pouvez donner une autre chose, ça m'arrangerait. Mayona. Moi, ma seule raison que je voudrais revenir, c'est pas seulement pour mes amis, c'est aussi pour Grand Schtroumpf. Et aussi le mignon. Non ! Michael, ok, j'avoue que j'ai été inutile dans certaines épreuves. Et que c'est vrai que mes personnalités ont fait perdre l'épreuve. Mais je vous promets que je me rattraperai. Luffy. Enfin, en espérant que vous oubliez ma façon dont j'ai tout mangé. Hein. La même, j'ai... Même, il y a certains jours, j'ai failli manger Mayona. Voilà. Simon, votez pour moi. Je vais essayer de me rattraper à fond. Mais ouais, c'est ça. Mais c'est vrai. Bref, votez un candidat qui mérite d'être revenu. Et on verra si ce serait intéressant. Surtout ne votez pas pour Mayona, c'est une vraie peste. Je t'ai entendu, grosse merde. Tu vois, c'est une grosse peste, c'est une grosse peste, c'est une grosse peste. La ferme. Tu vois, elle est agressive, elle est agressive. Bref, votez pour celui qui mérite d'être revenu. Et on se retrouve pour l'épisode 11 du camp des défis extrêmes. Hé, hey, toi là! Hein? Je sais pas pourquoi, mais tu me caches quelque chose! Oui, j'ai cassé quelque chose, je vais t'avouer la vérité. Ah ouais? Je t'écoute. Je t'écoute. Oh non! Oh mon dieu! Un autre rose! Oh, où ça? Où ça? Je commence à me méfier de plus en plus de ce mec.